Bonjour. Bonjour à tous. Je laisse juste les gens se connecter petit à petit avant de commencer. J'espère que vous allez bien cette semaine. Donc si jamais vous ne me connaissez pas, je suis Stéphanie et on se retrouve tous les mercredis de 11h à midi pour un yoga vinyasa juste avant le circuit training de Benoît à midi. Voilà le programme pour notre matinée. Aujourd'hui, pour cette séance, vous aurez besoin, comme d'habitude, de votre tapis pour pratiquer. Si vous n'avez pas de tapis, c'est pas grave, vous pouvez pratiquer au sol. Prévoyez peut-être une serviette que vous positionnez sous vos genoux quand on a des postures où on est à quatre pattes où il faut poser les genoux au sol. Hein, c'est plus confortable. Ou si par exemple chez vous, dans votre salon, vous avez un grand tapis, vous pouvez utiliser ça aussi, pas besoin de tapis. Prévoyez aussi une petite bouteille d'eau. Bonjour, bonjour tout le monde, Olivier, Florence, Eva, bienvenue. Donc voilà, prévoyez aussi une petite bouteille d'eau si vous avez besoin pour vous hydrater. Alors, ce que je vous ai prévu cette semaine, donc on a un flow. On va faire notre échauffement, nos salutations au soleil pour se mettre dans les meilleures conditions. Et puis après, on va faire un flow où vous allez voir, on va pas mal utiliser notre poids de corps en fait. Donc on va utiliser notre poids de corps pour aller plus loin dans notre pratique. Pourquoi ? Bah, tout simplement pour qu'on puisse prendre conscience de son corps, l'accepter tel qu'il est et voir que dans certaines postures, eh bien, il va nous aider. Et peut-être que dans d'autres postures, on va se sentir en difficulté. Mais l'idée d'aujourd'hui, ça va être vraiment de voir ses limites, de choisir les options qui nous conviennent à nous aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Donc je vois qu'on est 16 connectés, donc je pense que voilà, tout le monde a rejoint le groupe. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. On va commencer notre pratique assis en tailleur. Alors, si ce n'est pas confortable pour vous, vous savez, hein, vous pouvez mettre un coussin sous vos fessiers ou placer la brique sous vos fessiers. Oui, ceux qui utilisent aussi la chaise pour pratiquer, vous pouvez aller la chercher et la positionner à côté de votre lieu de pratique, puisque vous allez voir, on a des équilibres, vous en aurez peut-être besoin. Si vous avez des briques, utilisez des briques, utilisez des livres, des briques de lait, ce que vous voulez, voilà. Et une fois que vous êtes prêt, on va commencer par une petite méditation. Deux possibilités pour cette méditation, soit les paumes de main épousent la forme de vos genoux, ou si vous préférez, vous pouvez me rejoindre avec un mudra, pouce index pour commencer. Ce mudra tout simplement favorise la concentration. Puis je vous invite à fermer les yeux. Votre dos est droit. Le sommet de votre crâne va chercher le plafond, tandis que vos deux fessiers s'enfonce dans le sol. Commencez à activer de manière consciente votre respiration. Inspirez par le nez et expirez par le nez. Ceux qui connaissent la respiration Ujjayi, vous pouvez commencer à l'activer. S'il y en a qui ne la connaissent pas, on va la tester ensemble. Vous inspirez par le nez. Vous expirez par le nez comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre, mais vous gardez la bouche fermée. Donc au lieu de faire « je ferme tout simplement la bouche. Ce qui fait que ça provoque un petit ronflement dans la gorge. Cette respiration est sonore, c'est tout à fait normal. Et encore. Concentrez-vous sur votre respiration. Concentrez-vous sur le moment présent et concentrez-vous sur vous et sur votre corps, puisqu'aujourd'hui, on va essayer vraiment de travailler de manière consciente, d'utiliser notre corps, d'utiliser nos qualités, d'utiliser nos défauts pour réaliser le flow. Et encore. Calmez votre esprit, apaisez votre esprit, essayez vraiment de rejoindre le moment présent. Si vous êtes encore un peu dans les pensées, si vous étiez en télétravail avant, ou peut-être que vous faisiez la classe aux enfants, essayez de mettre ça de côté et essayez vraiment, pendant une heure, d'être vraiment focalisé sur vous. Ça fait du bien aussi de ne pas être focalisé toujours sur les autres, mais sur soi.
Après, vous en ressortirez beaucoup plus fort et là, vous aurez plein d'énergie justement pour vous occuper des autres. Encore une inspiration, expiration. Et ensuite, tout en respirant, on va ouvrir les yeux. Et cette fois-ci, tous, on va épouser avec la paume des mains la forme de nos genoux. On va inspirer, on se grandit. On expire, on se recroqueville. J'arrondis mon dos. Je me mets de profil. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, arrondissez, recroquevillez-vous. Et sentez le dos qui s'arrondit, les omoplates qui s'écartent, le ventre qui se creuse. Inspirez et expirez. Venez réveiller votre colonne vertébrale. Inspirez et expirez par le nez. Encore une fois, inspirez et expirez par le nez et restez dans un dos rond pour 4, 3, 2. Dernier et ensuite inspirez, revenez en position initiale. Très bien. Inspirez, décollez la paume de main droite. Expirez, le bout des doigts de la main droite va chercher vers le plafond. Et je reste pour deux inspirations, expirations. Ensuite, je viens positionner cette main droite au sol. Elle glisse sur le sol. Et ensuite, c'est le bout des doigts de la main gauche qui va cette fois-ci chercher vers le plafond. Ce qui est intéressant ici, c'est de conserver l'ouverture. Donc, avec le regard, je ne vais pas chercher le sol, mais vous le savez, comme toujours, on va plutôt chercher le plafond. Si les cervicales, si on a des douleurs au niveau du trapèze, des cervicales, on va plutôt regarder peut-être face à l'écran ou peut-être, oui, vers le sol, mais sans fermer la cage thoracique. Cette fois-ci, c'est la paume de main gauche qui vient toucher le sol. Petit mouvement de balancier et je change de côté. Et encore une fois, on inspire, on expire. Et dernière fois. Et ensuite, relâchez. On est à nouveau en tailleur. Et là, tout simplement, on va ouvrir et fermer les mains de manière assez dynamique. On vient échauffez vos poignets tout en inspirant, en soufflant. Voilà. Et là, vous sentez une tension qui commence à se manifester au niveau de l'avant-bras, peut-être au niveau du biceps et des épaules. C'est normal. Inspirez, soufflez. Et là, tout en faisant ça, regardez, je garde le buste, pardon, le bassin face à l'écran. Et avec les épaules, je viens faire une torsion. Et encore 10, 9 pour les poignets, 8, 7. 6, 5, 4, ça chauffe, 3, courage, 2, dernier, on replace la colonne et on relâche les bras. Si vous sentez que ça chauffe dans l'avant-bras, c'est tout à fait normal. Hein. Pour la suite, on va passer à quatre pattes, on va chercher la posture de la table. Genoux sous les hanches, poignets sous les épaules. Et on continue à échauffer ses poignets. Le bout des doigts, je rentre à l'intérieur. Bout des doigts face à face pour les deux mains. Et ensuite, je reviens. Et encore, je rentre un côté, puis l'autre, bout des doigts face à face. Et je reprends ma posture initiale. Et encore. Dernière fois, bout des doigts face à face. Là, je reste là. Si c'est suffisamment intense, je suis là. Sinon, je vais pousser mes fessiers vers l'arrière, mais tout en gardant toute la paume de main et le poignet au sol. Hein. Ça a tendance à se décoller. Il faut que je garde le poignet au sol. Ok, ensuite je reviens, je suis à nouveau dans la posture de la table. Vous allez inspirer, pousser le pied droit vers l'arrière et le bras gauche vers l'avant. Posture qu'on fait souvent en échauffement. Gardez la tête en direction du sol, on reste là pour 4, 3, 2, dernier. Ensuite, posez la main au sol et là avec le pied, vous allez chercher sur le côté, vers l'extérieur. Soit vous êtes sur la tranche du pied, soit vous êtes sur la plante de pied. Une fois que c'est fait, redressez-vous. Voilà. Ensuite, inspirez. Et sur l'expiration, vous allez chercher avec le bras du côté de la jambe tendue. Ensuite, inspirez, revenez. Expirez, je repars à nouveau.
Je me fais face à vous cette fois-ci. Inspirez, expirez, inclinez sur le côté. Et encore une fois, inspirez, expirez, inclinez sur le côté et restez. Ensuite, on va repositionner les mains au sol. On a toujours la jambe tendue sur le côté. Inspirez et là, venez attraper votre cheville et ouvrez le buste. On est en équilibre. On active le transverse. Et ensuite, je reviens dans la posture de la table. Depuis la posture de la table, je vais chercher Balasana, la posture de l'enfant. Si besoin, ouvrez, écartez les genoux sur le côté pour laisser de la place au buste et à la poitrine. Les bras par contre sont toniques. On a un balasana tonique, paume de main ancrée dans le sol. On commence à gripper un petit peu le sol avec le bout des doigts, ce qui fait que ça engendre une tension qui remonte dans le bras. Ensuite, inspirez, expirez, je suis à nouveau dans la posture de la table. Et on fait le même enchaînement de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est votre jambe gauche et votre bras droit qui sont tendus. Hanche carrée, qu'est-ce que ça veut dire? Pas d'ouverture de hanche. Gros orteil va chercher vers le sol. Et on reste là pour 4, 3, 2, dernier. Ensuite, on repose la paume de main. La jambe s'ouvre sur le côté. Soit je suis sur la tranche, soit je suis sur la plante. Je me mets face à vous. Ensuite, on se redresse. Inspirez et expirez. On va chercher du côté de la jambe tendue. Et encore, inspirez, petit mouvement, balayage avec les bras. Expirez. Et encore deux fois pour celui-ci. J'inspire et j'expire. Dernière inclinaison pour le dos. Inspirez et expirez. Inclinez et restez un peu. Ok. Comme tout à l'heure, on repose les deux paumes de main au sol. Prenez une grande inspiration. Sur l'expiration, si besoin, vous les décalez un petit peu sur le côté. Hop, et j'attrape la cheville et j'ouvre la cage thoracique. Voilà. J'active le centre du corps. Je rentre mon nombril. J'ai retrouvé mon jean trop serré, mon pantalon trop serré. Et ensuite, je pose et je suis à nouveau dans la posture de la table. Et depuis cette posture de la table, on va chercher notre premier chien tête en bas. Retroussez les orteils, montez les fessiers vers le haut, pied largeur du bassin. Soyez indulgents avec ce premier chien tête en bas. Voilà, écoutez votre corps. Comment est l'arrière des cuisses aujourd'hui? Peut-être un peu raide, pareil pour le dos. Donc on va marcher dans ce chien tête en bas. On dépose un talon, puis l'autre au sol. Vous vous souvenez hein, maintenant les options, si besoin, qu'est-ce que je peux faire? Si je sens que je suis plutôt comme ça, hein, avec le doigt arrondi, regardez, je fléchis les jambes. Et là, du coup, j'ai de l'espace pour pousser ma poitrine vers le sol et relâcher ma tête. Ok. Et à nouveau, j'essaie de prendre un chien tête en bas statique. Ensuite, on va marcher tranquillement à l'avant du tapis. On se retrouve en dos droit. Sortez la poitrine, regardez à l'avant du tapis. Puis venez mettre les mains au niveau des hanches. Prenez une grande inspiration, on va remonter dos droit, expirez par le nez. Ok, et posture de la montagne pour commencer nos salutations au soleil. On retrouve nos fondations, les deux pieds ensemble, les deux grosses boules là du pouce, du gros orteil collé ensemble, les talons légèrement ouverts vers l'arrière, et si on campe, on rentre le sacrum à l'intérieur. Bout des doigts toniques vers le sol, inspirez, montez le bout des doigts vers le plafond, expirez, flexion avant. La première, je fléchis les jambes, je viens coller mon nombril à mes cuisses. Ensuite, inspirez, dos plat, je remonte, soit j'ai les mains sur la chaise, soit j'ai les mains sur la brique, soit sur les tibias, ou alors peut-être le bout des doigts au sol, mais le dos est allongé. Ensuite, inspirez à nouveau, puis expirez. Jambe droite, puis jambe gauche au sol. Ensuite, genou au sol. Et là, on vient déposer, faire chaturanga, poitrine, menton au sol. Les deux mains à côté de la poitrine. Et venez glisser dans votre cobra. Faites une vague. Glissez dans votre cobra. Vous vous souvenez, sur le cobra, il y a très peu de pression dans les mains. Vérifiez, regardez, je peux décoller de quelques millimètres les mains. Pourquoi? Parce que je presse le sol avec le dos des pieds, avec les cuisses, avec mon pubis, et mon dos est engagé.
Ensuite, inspirez, chien tête en bas, retroussez les orteils, montez les fessiers vers le plafond. Si besoin, je fléchis les genoux. Si j'ai des briques, pourquoi pas mettre les briques sous les paumes de main ou peut-être sous les pieds, ça peut vous aider aussi pour ce chien tête en bas. Je reste là encore une inspiration et expiration. N'oubliez pas de relâcher la nuque. Hein, si vous regardez l'écran, pensez aussi à regarder le tapis, à relâcher la nuque. Et ensuite, on va marcher à l'avant du tapis, se retrouver en dos plat. Tirez vos épaules vers l'arrière. Dos plat, ce qui peut se passer, c'est que parfois, on a les fessiers qui partent vers l'arrière. Ramenez chevilles, genoux, bassin, les uns au-dessus des autres. Ok, ensuite, prenez une grande inspiration. Descendez en pince, expirez. Ensuite, inspirez, bout des doigts vers le plafond, expirez, main en prière. Et on est reparti, on va essayer de faire ça de manière un peu plus fluide, ensemble. Inspirez, bout des doigts vers le plafond, expirez, posture de la pince, cuisse, nombril ensemble. Inspirez, dos plat, expirez, planche, jambe gauche, puis jambe droite au sol, genou au sol, chaturanga, poitrine, menton au sol. Glissez dans votre cobra. Pied actif, cuisse actif, pubis actif, puis inspirez, chien, tête en bas. Dans le chien tête en bas, je ne peux plus voir mes talons, ils sont cachés par mes pieds. Si je les vois, c'est que soit je suis en ouverture ou en fermeture, donc mettez bien vos deux pieds parallèles. Puis on marche à l'avant du tapis, on se retrouve en dos plat avec son matériel, soit sa chaise, ses briques, mains sur les tibias au sol, puis flexion avant, posture de la pince. Et enfin, bout des doigts vers le plafond, puis main en prière. Ok, on va refaire cette salutation au soleil une seule fois, côté A, côté B. Et j'ajoute des petites options pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Inspirez, bout des doigts vers le haut. Expirez, pince. Inspirez, dos plat. Expirez, planche. Jambe droite, puis jambe gauche. Chaturanga avec ou sans les genoux. Je fais sans les genoux cette fois-ci. Les coudes sont aimantés. Ils veulent se rejoindre. Les épaules légèrement vers l'avant. Hop, je descends. Et ensuite, soit cobra comme tout à l'heure, soit chien tête en haut comme je le fais maintenant. Roulez vos épaules vers l'arrière et vers le bas. Puis chien tête en bas. Trouvez le chien tête en bas qui vous convient. Et là, deux possibilités. Soit vous marchez comme tout à l'heure à l'avant du tapis. Soit vous fléchissez les jambes, engagez périnée, nombril, petit saut pour rejoindre l'avant du tapis en dos plat. Puis flexion avant. Et enfin, bout des doigts vers le plafond, puis main en prière. Il ne nous reste plus qu'un seul côté. Inspirez, bout des doigts vers le plafond. Expirez, flexion avant. Si besoin, je fléchis les jambes. Inspirez, dos plat. Expirez, planche, jambe gauche, puis jambe droite. Soit chaturanga avec les genoux ou sans les genoux, je plonge, coude aimanté, vague, cobra ou chien, tête en haut. Puis chien, tête en bas. Encore une inspiration, expiration dans ce chien, tête en bas. Et enfin, soit vous marchez, soit vous fléchissez les jambes. Petit saut pour rejoindre l'avant du tapis. On se retrouve en dos plat. Enfin, flexion avant. Cuisse nombril ensemble. Et enfin, bout des doigts vers le plafond. Puis main en prière pour terminer ces salutations au soleil. Par la suite, on va prendre la posture de la montagne. Pied largeur du bassin, décolle les deux pieds. Tirez vos épaules vers l'arrière, buste engagé, mais sans pousser les lombaires, hein, sans lordoser. Et le regard très actif vers l'avant. Trois inspirations, expirations dans cette posture de la montagne qui va nous permettre ensuite d'entamer notre flow. Je vous laisse encore deux inspirations, expirations dans cette posture. Le temps, voilà. Et on est parti ensemble pour notre premier flow. Inspirez, bout des doigts vers le haut. Expirez, dos plat. Et je reste là. Depuis ce dos plat, on va aller chercher un chien tête en bas. Je viens poser le doigt au sol. Je fléchis les jambes, jambe droite,
Puis j'embauche et je viens chercher les fondations de mon chien tête en bas. Si besoin, je fléchis les jambes. J'utilise le matériel. Ensuite, depuis ce chien tête en bas, sans ouvrir les hanches, je vais décoller la plante de pied droit. Je vais chercher vers le haut. Mais vous voyez, j'ouvre pas les hanches. Gros orteil vers le bas. Pressez le talon de la jambe gauche dans le sol. Ensuite, inspirez, expirez, ramenez le pied à l'avant du tapis. Si vous n'y arrivez pas d'un coup, regardez, j'utilise ma main, hop, pour ramener le pied à l'avant du tapis. Posez le genou gauche au sol et on se retrouve en fente basse. Ici, on va faire bouger notre bassin. Regardez, là, on venait en rétroversion. Les épines du bassin vont chercher vers le plafond. Maintenant, on va passer en antéversion. Regardez, je pousse mon poids de corps. Ça y est, on commence à utiliser son corps. Je pousse mon poids de corps vers l'arrière, bassin vers l'avant, fessier vers l'arrière. Et je repars, rétroversion. Mon bassin va chercher, hop, vers l'arrière cette fois-ci. Ok, puis vers l'avant, antéversion. Et ainsi de suite, faites bouger votre bassin. Sentez ce qui se passe. Utilisez votre corps pour un mouvement, puis l'autre. Utilisez l'articulation du bassin. Et encore, antéversion, puis rétroversion, je suis dans la fente basse. Encore, inspirez et expirez. On va faire ça encore deux fois et on va rajouter les bras. Hop, bras vers l'arrière, puis bras vers l'avant. Dernière fois, bras vers l'arrière, puis bras vers l'avant et on reste vers l'avant. Depuis cette posture de fente basse, on va laisser la pesanteur faire son travail. On pousse le bassin vers le bas et vers l'avant. Venez positionner les deux paumes de main juste à côté du pied avant. On est dans la posture du lézard. Inspirez et expirez dans cette posture. Encore une inspiration et expiration. Laissez les hanches s'ouvrir. Puis, les deux mains de chaque côté du pied. Et là, on va repartir en planche. Pour ça, le pied droit va chercher vers l'arrière. Soit je suis en planche sans les genoux, soit j'ai les genoux au sol. Depuis cette planche, on va faire notre vinyasa. Qu'est-ce que c'est? C'est la petite pompe triceps, chaturanga, chien tête en haut ou cobra et chien tête en bas. On y va ensemble. Vinyasa. Et on se retrouve en chien, tête en bas. Deux inspirations, expirations dans ce chien, tête en bas. J'inspire par le nez. J'expire par le nez. Ensuite, je décolle toujours la plante de pied droit, comme tout à l'heure, sans ouvrir les hanches. Je monte le pied vers le ciel. Ensuite, je ramène le pied droit à l'avant du tapis. Et là, je vais chercher les fondations de mon guerrier 1. 45 degrés pour le pied gauche. Le pied droit reste où il est. Les deux pieds ne sont pas sur la même ligne, sinon vous n'aurez pas d'équilibre. Ensuite, poussez avec les jambes et remontez. Donc le pied à l'arrière du tapis à 45 degrés. Le pied avant ne bouge pas. Et là, sur le guerrier 1, je me mets face pour voir ce que ça donne. Il faut que mon bassin soit face au mur ou peut-être face à l'écran pour certains, d'accord? Il n'est pas sur le côté. Hop. Donc vous appuyez avec votre bassin et vous vérifiez, faites des petits mouvements. Vous allez sur le côté, ensuite vous revenez vers l'avant. Si besoin, n'hésitez pas à bouger ce pied sur le côté pour vous aider dans un premier temps. La jambe avant est fléchie, la jambe arrière est tendue. Ok. Et on va reprendre. Je me replace. Maintenant, depuis cette posture de guerrier 1, vous nouez les mains derrière vous et ouvrez le cœur. Deuxième balancier. Regardez, j'inspire, je descends. Et ensuite, j'ouvre. Ok. Inspirez, expirez, descendez. Et encore une fois, inspirez, ouvrez. Pressez avec la tranche de pied externe à l'arrière. Expirez, descendez. Dernière fois, inspirez. Et expirez, descendez dans ce guerrier 1, modifié et on reste. Si besoin, j'utilise la chaise, peut-être j'utilise mes briques, avec les mains au sol. Ensuite, inspirez, remontez, expirez, je suis dans mon guerrier 2. Cette fois-ci, le pied arrière
est à 90 degrés. Les deux talons sont sur la même ligne, jambes avant fléchies, jambes arrière tendues. Et là, le bassin, cette fois-ci, il est face au mur ou face à l'écran, suivant là où vous êtes placé. Les deux paumes de main sont en direction du sol, les épaules ni trop hautes ni trop basses. Voilà. Et à vous voir, si vous avez de l'espace, vous pressez le genou avant pour que la cuisse soit parallèle au sol. Et si vous cambrez, vous rentrez le bassin à l'intérieur du sacrum. Inspirez, expirez dans ce guerrier 2. Et depuis ce guerrier 2, mouvement que vous connaissez, on va faire Skandasana. Je vais à l'arrière du tapis, transférer mon poids de corps. Puis je reviens à l'avant du tapis, transférer mon poids de corps. Utilisez votre corps pour faire le mouvement. Utilisez votre poids pour venir ouvrir les hanches d'un côté, puis de l'autre. Et encore, les bras sont accessoires. Si vous n'arrivez pas à les coordonner, concentrez-vous sur les jambes. Et encore, inspirez et expirez dans ce Skandasana. Encore une fois, de chaque côté, inspirez. Puis expirez dans ce Skandasana. Je reviens à l'arrière du tapis. Puis je retrouve mon guerrier 2. Trouvez les fondations de votre guerrier 2. Et depuis ce guerrier 2, on va aller chercher notre demi-lune. Je rapproche le pied arrière. Je viens poser la main de devant sur ma chaise, sur ma brique ou au sol. Et peut-être qu'aujourd'hui je reste là. Ou alors, si je le sens, je vais monter la jambe arrière et ouvrir la hanche. Là, c'est très important d'ouvrir votre hanche. Donc, pied flex et gros orteils vont chercher sur le côté. Voilà. Et on reste là, on essaie de conserver son équilibre dans cette ouverture. Encore une inspiration, expiration. Et depuis cette demi-lune, vous allez aller chercher votre guerrier 3. Cette fois-ci, on replace le regard en direction du sol. Toujours le pied flex vers l'arrière. Les orteils vont chercher le sol. Peut-être que j'ai les mains sur ma chaise, sur ma brique ou au sol. Et peut-être qu'aujourd'hui, je vais pouvoir décoller les deux mains et avec les bras, aller chercher vers l'arrière, pourquoi pas. Et si vous voulez réutiliser le mudra du début, pouce index ensemble. Ensuite, redressez le buste, montez la jambe arrière parallèle au sol et restez là pour deux inspirations et expirations. Prenez votre temps, activez la sangle abdominale. Utilisez à nouveau votre corps, acceptez-le. Peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'équilibre, c'est pas grave. On va encore faire ce flow, il va venir petit à petit. Ensuite, depuis ce guerrier 3, vous allez ramener le pied arrière vers l'avant. Deux pieds parallèles et on se retrouve en dos plat pour la suite. Inspirez, expirez en dos plat. Inspirez, expirez, regardez, je glisse les mains au sol, je fléchis les jambes et je viens caler mes genoux dans mes aisselles. Inspirez, dos plat. Expirez, je viens caler les genoux dans mes aisselles, les paumes de main au sol, tous les doigts bien écartés sur le tapis. Inspirez, paume de main, tibia. Expirez, genou, aisselle. Encore une fois, inspirez, dos plat. Expirez, genou, aisselle. Et enfin, depuis genou, aisselle, inspirez, les bras s'écartent sur le côté. Et expirez, main en prière à l'avant du tapis. Récupérez. On vient de faire notre flow complet. Maintenant, on va faire exactement la même chose, mais de l'autre côté. Voilà, donc récupérez, laissez votre corps déjà découvrir, s'approprier les mouvements qu'on vient de faire ensemble et qu'on va répéter de l'autre côté. Réoxygénez, calmez le mental peut-être. Voilà, si vous vous rendez compte que vous avez besoin d'accessoires, c'est peut-être le moment d'aller les chercher, une chaise, une brique, voilà, pour travailler les équilibres. Et ensuite, on va repartir. Depuis la posture de la montagne, inspirez, bout des doigts vers le plafond, expirez, dos plat. Le regard loin devant. Ensuite, inspirez, on va chercher notre chien tête en bas, jambe gauche, puis jambe droite à l'arrière. Trouvez les fondations du chien qui vous
convient à vous aujourd'hui. Et depuis ce chien tête en bas, je vais décoller cette fois-ci la jambe gauche sans ouvrir les hanches. Je monte cette jambe gauche vers le plafond et ensuite je ramène le pied entre les deux mains. Je pose le genou droit au sol, je me redresse, je suis en fente basse. Comme tout à l'heure, mouvement de balancier, sentez le bassin. Antéversion, je vais chercher vers l'arrière, la jambe avant étendue, la jambe arrière réfléchie. Rétroversion, je vais dans ma fente basse, je laisse le bassin descendre vers le sol. Et encore, sentez comment votre corps bouge. N'hésitez pas à mettre les mains au niveau du bassin pour voir ce qui se passe. On sent très bien en fait, hop, que ça bouge. Voilà. Apprenez, il faut apprendre à connaître son corps. Vers l'arrière, antéversion, rétroversion. Et pourquoi pas avec les bras, vers l'arrière, puis vers l'avant. Encore deux fois, vers l'arrière, puis vers l'avant. Dernière fois, vers l'arrière, vers l'avant. On y reste et on va chercher notre lézard. Venez déposer les deux paumes de main juste à côté du pied. Ce qui se passe parfois dans les arcs, c'est que le genou il part vers l'extérieur. Donc surtout, collez-le à votre épaule. Encore une inspiration, expiration. Puis, les deux paumes de main de chaque côté du pied. Retroussez les orteils du pied arrière. Et poussez le pied avant vers l'arrière en planche. Soit genou au sol, soit genou décollé, comme vous voulez. Vinyasa de votre choix, avec ou sans les genoux, cobra ou chien tête en haut. Et on se retrouve tous en chien tête en bas. Encore deux inspirations, expirations dans ce chien tête en bas. Prenez votre temps. Fléchissez les genoux si besoin. Encore une inspiration, expiration. Et depuis ce chien tête en bas, à nouveau, je décolle le pied gauche. Je monte le pied sans ouvrir la hanche. Je presse le talon du pied droit dans le sol. Même force dans chaque épaule. Et je ramène le pied gauche à l'avant du tapis. Et je vais chercher les fondations de mon guerrier 1. Je décale le pied droit sur le côté, 45 degrés. Puis je remonte et je vérifie mes hanches. Comme tout à l'heure au sol, hop, j'attrape les épines. Lâche en ouverture. Là, je referme, ok? Pour faciliter la fermeture, pressez avec l'extérieur du pied droit hein, au sol. Il faut la même force dans les deux jambes. Pressez, pressez, pressez le bord externe du pied sur le tapis. Vous allez voir que ça va ramener votre bassin vers l'avant. Hein. Avancez la hanche droite, reculez la hanche gauche. Hein. Ok, une fois qu'on est dans ce guerrier 1, inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, mouvement de balancier, buste parallèle au sol. Et inspirez, je reprends, ouvrez le cœur. Expirez, je descends. Les orteils des deux pieds bien étalés dans le tapis. Inspirez, puis expirez. Et encore une fois, inspirez, à vous de doser l'amplitude. Expirez, et on reste dans ce guerrier 1, Virabhadrasana, modifié. Encore une inspiration, expiration. Utilisez votre dos, utilisez vos jambes. Redressez-vous et on se retrouve cette fois-ci en guerrier 2. Là, oui, on a une ouverture et les hanches sont soit face à l'écran, soit face au mur. Les deux pieds parallèles, les deux talons sur la même ligne. Poussez dans la jambe avant, paume de main parallèle et toute la concentration sur la main qui est vers l'avant. On va prendre le temps dans ce guerrier 2. Allez, deux inspirations, expiration, tranquille. Puis, à nouveau, j'utilise mon poids de corps. Skandasana vers l'arrière du tapis, puis vers l'avant du tapis, et ainsi de suite. Sentez ce poids de votre corps qui va sur une cuisse, puis l'autre, et jouez avec ce poids de corps. Voilà. Si besoin, vous refermez l'écart au niveau des jambes. Hein. Il faut trouver les fondations qui vous conviennent à vous. Et encore.
Dernière fois vers l'avant. Puis on va revenir en Skandasana vers l'arrière. Et depuis Skandasana, regardez, c'est la jambe avant pour réfléchir. La jambe arrière qu'on va tendre pour retrouver notre guerrier 2. Ok. Depuis ce guerrier 2, on va aller chercher la demi-lune, si besoin, la chaise ou la pique. Je rapproche un peu le pied arrière. Il faut que je me mette là, sinon vous n'allez plus me voir. Et transfert poids de corps vers l'avant. Je pose la main gauche juste à côté du pied gauche. Hop. Voilà. Peut-être aujourd'hui, gros orteil au sol, hein, pas évident. Sinon, j'essaye de monter. Ouverture de hanche, pied flex. Et pourquoi pas, soit le regard au sol, problème de cervical. Et si j'ai suffisamment d'équilibre, peut-être le regard face à l'écran. Et peut-être le regard vers le plafond. Toujours avec mon pied flex en ouverture. Et ensuite, ouvrez le buste face à l'écran ou face à le mur. Hein. Ouvrez la cage thoracique. Très bien, tranquillement, on amortit, on prend son temps, on vient reposer la main au sol, comme ça on a les deux mains au sol. Et là, regardez, fermeture de hanche, je vais chercher mon guerrier 3, Virabhadrasana 3. Soit j'ai les mains sur la chaise, comme d'habitude, sur la brique ou au sol. Pourquoi pas peut-être le mudra de tout à l'heure, bras vers l'arrière, pouce index, je rehausse un peu le buste. Et je reste là pour deux inspirations et expirations. Oui, la jambe de sol, on sent, c'est tendu, on étire l'ischio-jambier. Oui, le fessier de la jambe décollée est engagé, on le sent aussi. Puis tranquillement, vous allez ramener hop, le pied à côté du pied qui est vers l'avant du tapis et on se retrouve en double. Inspirez en double. Expirez, fondation d'une posture qui s'appelle le corbeau. Genoux dans les aisselles. Inspirez, dos plat. Expirez, genoux dans mes aisselles. Essayez vraiment de mettre votre genou dans l'aisselle. Inspirez, dos plat. Expirez, genoux, aisselles. N'hésitez pas aussi à laisser des petits commentaires parce que je sais qu'elle n'est pas facile cette posture. Là, on est en train de voir les fondations. Donc, si vous avez besoin de tips ou d'outils, voilà, vous dites, pareil, si c'est abordable ou pas pour vous. Inspirez, expirez, genoux, aisselles. Et enfin, inspirez, dos plat. Expirez, main en prière. Et récupérez. Je vous laisse 4 inspirations, expirations. Si vous avez besoin d'aller vous hydrater, allez-y. Voilà. Donc, on a fait le flow complet des deux côtés. On va reprendre ce flow et on va rajouter des petites options pour ceux qui veulent changer, qui veulent essayer d'autres choses. Et puis on verra notamment ensemble la dernière posture, donc le corbeau, Bakasana, et on testera ça ensemble. Là, on prendra notre temps. Voilà. Allez, soufflez encore un peu. Si vous n'avez pas besoin de vous hydrater, vous êtes dans la posture de la montagne et vous restez concentré sur ce qui vient de passer. Hein. Méditez. Laissez votre corps s'approprier, faire ses petits réglages. Encore une inspiration, expiration. Si vous aviez les yeux fermés, on va ouvrir les yeux et on est parti ensemble. Inspirez, bout des doigts vers le plafond. Expirez, dos plat. Je regarde à l'avant du tapis. Puis, depuis ce dos plat, je vais chercher mon chien tête en bas. Main au sol, jambe droite, puis jambe gauche. Montez les hanches vers le plafond. Soit genou fléchi, soit jambe tendue. Relâchez la nuque. La poitrine est aimantée vers le sol. Ouvrez les épaules. Puis décollez la plante de pied droit sans ouvrir la hanche. Inspirez, expirez, ramenez le pied droit à l'intérieur des deux mains, puis posez le genou gauche au sol. On est à nouveau dans notre fente basse. Redressez-vous dans la posture de la fente basse, bras vers l'avant, inspirez, expirez, antéversion, bras vers l'arrière. Vous pouvez prendre le mudra si vous voulez, pouce index, inspirez, bras vers l'avant, pour favoriser votre concentration, expirez, bras vers l'arrière.
Inspirez, bras vers l'avant. Laissez les hanches descendre vers le sol. Expirez. Cette fois-ci, allongez la jambe tout en gardant l'ouverture de cage thoracique. Essayez de rapprocher votre nombril des cuisses. Et encore. Inspirez. Et expirez. Encore une fois. Inspirez. Rétro. Expirez en tension. Ensuite, on revient dans la fente basse et là, on va chercher notre lézard. On vient poser les deux paumes de main à côté du pied. Ok, ceux qui connaissent l'option, au lieu de garder les bras tendus, pourquoi pas essayer de venir fléchir les coudes. Si vous avez une brique, un coussin, des livres, vous pouvez les mettre en dessous. Vous allez voir, ça va vous aider à travailler cette posture. Ceux qui ont l'habitude, peut-être que vous n'avez plus besoin aujourd'hui de matériel. Comme d'habitude, le genou, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut s'ouvrir vers le côté. Ramenez le genou, ramenez-le. Collez-le au maximum. Encore une inspiration, expiration. Puis on repasse avec les deux bras tendus, une main de chaque côté du pied et on va retrouver notre planche. Avec ou sans les genoux, au choix. Et vinyasa de votre choix pour la suite. Soit cobra, chien tête en haut et on se retrouve tous en chien tête en bas. Deux inspirations, expirations dans ce chien tête en bas. Prenez votre temps. Faites les réglages de votre chien. Ensuite, depuis ce chien tête en bas, on décolle à nouveau la plante de pied droit. Hop, sans ouvrir les hanches. Je ramène à nouveau le pied droit à l'avant du tapis. Et avec mon pied gauche, je vais chercher les fondations de mon guerrier 1, 45 degrés. Je fléchis la jambe avant, la jambe arrière tendue. Et ramenez votre bassin en pressant le bord externe du pied arrière vers l'avant. Ok. Une fois que vous êtes dans votre guerrier, attrapez, nouez les mains derrière. Inspirez, ouvrez. Expirez, flexion. Inspirez. Et expirez. Toujours la même force dans les deux jambes. Pressez avec la même force dans les deux jambes. Inspirez et expirez. On reste en guerrier 1. Modifiez. Ensuite, inspirez, redressez-vous. Expirez, on est en guerrier 2. Hop, 90 degrés. Toujours la flexion dans ma jambe avant. Mais cette fois-ci, les hanches sont ouvertes. Toute la concentration sur la main vers l'avant. Et on est parti en sens Skandasana. J'utilise mon poids de corps. Et venez chercher vers l'arrière du tapis. Puis vers l'avant. Option. Ceux qui veulent aller plus loin, regardez. J'ouvre le pied. Je décolle la pointe de pied. Et encore. Par contre, je garde mon ouverture de muscle. Je ne referme pas. Non. J'ouvre le regard vers l'écran ou face au mur. Et encore. Ainsi de suite. Allez-y. Faites-le plusieurs fois. Et pareil. Sentez votre corps qui va d'un côté, puis de l'autre. Est-ce que ça vous paraît léger? Est-ce que ça vous paraît lourd? Est-ce que ça vous paraît facile pour les chevilles? Est-ce que ça vous paraît compliqué? Essayez d'écouter tous ces messages que vous envoie votre corps. Et encore. Ensuite, on va rester à l'arrière du tapis, en Skandasana, et on va chercher notre guerrier 2. Je vais fléchir la jambe avant, je tends la jambe arrière. Ouverture. Bassin face à l'écran, face au mur. Toute la concentration sur la main vers l'avant. Et c'est déjà la demi-lune. Je rapproche le pied. Je pose la main au sol, sur la chaise, sur la brique. Et transfert. Engagez la sonde abdominale pour la demi-lune. Rentrez votre nombril. Fixez-vous un point droit devant. Vous allez y arriver. Ça va venir petit à petit. Respirez. Voilà, pareil. Sentez le poids de corps qui a changé. Sentez l'engagement du fessier. Sentez l'engagement, l'étirement de l'ischio-jambier. Et depuis cette demi-lune, on va aller chercher notre guerrier 3. Tranquillement, je viens reposer les deux mains sur la chaise, sur la brique, au sol. Je ferme les hanches cette fois-ci. Soit je garde le bout des doigts au sol, soit j'allonge les bras derrière, peut-être mudra, pouce index. Je rehausse un petit peu le buste pour qu'il soit parallèle au sol. Et je garde, je laisse mon regard en direction du tapis. Encore une inspiration, expiration. Et ensuite, ramenez ce pied gauche, ce
vers l'avant. Ok. On se retrouve en grand plat pour la suite. Inspirez. Et de là, expirez. On va chercher les fondations de Bakasana. Placez vos genoux dans les aisselles. Les paumes de main sont bien ancrées en sol, complètement ouvertes au sol. Le regard, il est vers l'avant, vers l'avenir. Surtout, ne regardez pas vos pieds. Regardez vers l'avant, au-delà de vos mains. Et ensuite, passez sur les pointes de pied. Oui, c'est pas facile, il faut monter les fesses. Passez sur les pointes de pied, ok? Là, je suis dans les fondations de Bakasana. Si vous voulez essayer ou si vous avez l'habitude, vous pouvez, c'est un mouvement de balance, transférer le poids de corps sur vos bras. Les genoux s'en vont des aisselles, c'est pas grave, ça peut glisser. Et ensuite, peut-être que je vais décoller un pied, peut-être le deuxième, ou peut-être pas du tout pour aujourd'hui, je reste en fondation. Si vous avez peur de tomber vers l'avant, mettez un coussin ou une couverture. Et ensuite, vous revenez en dos plat une fois que vous avez terminé de tester Bakasana. Hein? On reverra cette posture après en décortiquer tous ensemble. Mais essayez. Si vous tombez, entre guillemets, ne vous inquiétez pas, le sol est plutôt proche là. Hein? Le corps est bien fait, il va se protéger. Ok. Et on remonte. J'inspire, j'expire main en prière. Et récupérez. Trois inspirations, expirations. Et il nous reste exactement le même flow de l'autre côté. Voilà. Je récupère, je calme mon rythme cardiaque, mais je garde cette énergie, je garde cette chaleur que je viens de dégager pour faire l'autre côté. Encore une inspiration, expiration. Et on est parti ensemble. Dernier flow, inspirez, bout des doigts vers le plafond, expirez dos plat. Profitez de ce dos plat, de cet avant-dernier dos plat. Le regard vers l'avenir. Allongez le dos. Puis inspirez. Jambe gauche, puis jambe droite au sol. Chien tête en bas. L'avant-dernier. Relâchez la tête. Et enfin, inspirez. Montez le pied gauche vers le ciel sans ouvrir la hanche. Puis ramenez ce pied gauche à l'intérieur des deux mains. Et cette fois-ci, c'est le genou droit qui est au sol. On se redresse. Fente basse. Puis, bras vers l'avant. Moudra peut-être. Inspirez. Expirez. Hop, je change. Antéversion. Inspirez rétro. Expirez antéversion. Écoutez. Vérifiez votre équilibre. Est-ce qu'il est bon aujourd'hui? Est-ce qu'il est peut-être moins bon sur ce mouvement? Et encore, gardez la cage thoracique ouverte, regardez vers l'avenir. Et encore une fois, inspirez, expirez. Inspirez vers l'avant, on y reste. On va chercher notre lézard. Paume de main juste à côté du pied, comme tout à l'heure, sans matériel ou avec matériel. Venez peut-être essayer la deuxième option. Avec les avant-bras au sol, le genou qui cherche à se rapprocher de l'épaule. Puis, laissez les hanches s'ouvrir un peu plus. Et enfin, on va remonter depuis la posture du lézard. Une main de chaque côté du pied et j'engage ma sangle abdominale planche. Celle de votre choix, avec les genoux, sans les genoux. Les deux paumes de main pas très loin l'une de l'autre, les coudes sont aimantés, vinyasa de votre choix. Avec ou sans les genoux, si vous avez les genoux, vous êtes en cobra. Les genoux sont décollés du sol, vous êtes en chien tête en haut. Puis on se retrouve tous en chien tête en bas. Depuis ce chien tête en bas, on décolle à nouveau la plante de pied gauche, sans ouvrir les hanches, hanches carrées. Donc je ne peux pas monter très très loin cette jambe. Ramenez la jambe à l'avant du tapis à nouveau et on va chercher les fondations de notre guerrier 1. Pied droit 45 degrés et je remonte. Je vérifie les hanches, pour ça je presse fort dans la bordure externe de mon pied arrière pour ramener mes hanches vers l'avant. D'accord ? Reculez la hanche gauche, avancez la hanche droite. Puis les deux mains se rejoignent à l'arrière, inspirez, ouvrez. Expirez, basculez le poids de corps vers l'avant.
Inspirez, ouverture de cœur. Expirez, transférez vers l'avant. Et encore une fois, inspirez, puis expirez. Restez dans ce guerrier immodifié. Si vous pouvez peut-être ouvrir un peu plus l'épaule en montant les bras vers le haut. Puis, j'inspire, ouverture de cœur. Expirez, vous êtes dans votre guerrier 2. On va y rester. On change juste l'orientation du bassin. Toute la concentration sur le bout des doigts de la main qui est vers l'avant. Inspirez, expirez dans ce guerrier 2. Et enfin, Skandasana. Je vais chercher l'arrière du tapis, puis l'avant du tapis. Ceux qui veulent aller plus loin, hop, je décolle la plante de pied. Tout en gardant mon ouverture ici. Je ferme le pas, je reste vers. Et encore, inspirez. Puis expirez. Et rejoignez l'arrière du tapis. Depuis Skandasana à l'arrière, hop, je transfère guerrier 2. Voilà. Depuis ce guerrier 2, à nouveau, on va chercher la demi-lune, la dernière. Prenez l'option qui est bonne pour vous. Hop, je transfère. Pied flex, ouvrez la hanche. Regard au sol, regard face à l'écran ou regard vers le haut. Encore une inspiration, expiration. Puis, allez chercher votre guerrier 3. Hop, je ramène le bout des doigts sur la chaise, sur la nuque au sol. Pied flex de la jambe arrière. Peut-être que je vais décoller le bout des doigts et tendre les bras vers l'arrière. Ensuite, rehausser légèrement le buste. Encore une inspiration, expiration. Puis, tranquillement, vous ramènerez le pied droit à côté du pied gauche. On se retrouve inspiré en dos plat. Expirez, fondation, Bakasana. Venez glisser vos genoux dans vos aisselles. Ensuite, montez sur la pointe des pieds. Placez votre coussin à l'avant si besoin, regardez vers l'avenir. Toute ma main est étalée au sol. Ma main, elle est comme ça, elle n'est pas collée, elle est toute étalée au sol, vous voyez. Et ensuite, je vais laisser glisser mon poids de corps dans mes aisselles. Même si ça bouge, c'est pas grave, il y a le triceps. Et peut-être que je reste là, peut-être que je décolle un pied ou deux. Une fois que vous avez essayé, essayez plusieurs fois, on a le temps. Et sinon, vous vous placez en dos plat quand vous avez terminé, ou si vous ne voulez pas essayer, et vous profitez de ce dos plat pendant deux inspirations, expirations. Allongez votre colonne, sommet du crâne va chercher d'un côté, les fessiers vont chercher de l'autre. Genoux légèrement fléchis. Encore une inspiration, expiration. Ensuite, inspirez et expirez, main en prière. Récupérez, on vient de terminer notre flow complet. Donc, il nous reste suffisamment de temps pour qu'on puisse voir ensemble, pour ceux qui le souhaitent, les fondations de Bakasana. Donc, Bakasana, en fait, c'est la dernière posture qu'on a fait là, qui s'appelle le corbeau, d'accord ? Qui est une posture, en fait, tout simplement, où c'est de la balance, hein, de la bascule. On n'a pas besoin d'y aller en force. Mais pour ça, il faut connaître les fondations. Hein. Donc, on va voir ça ensemble. Si jamais cette posture ne vous convient pas, vous pouvez tout à fait, chez vous, prendre une autre posture, d'accord ? Celle dont vous avez envie, là, celle que vous voulez travailler, refaire un guerrier, refaire un chien tête en bas, une posture de l'enfant. Et pour ceux qui veulent travailler la kasana, voilà ce qu'on va faire. On y va tranquillement, on reprend notre dos plat. Et depuis ce dos plat, eh bien on descend. Et on vient placer son genou à l'intérieur de son aisselle. Okay ? J'ai mes fessiers surélevés, j'ai mes fondations, mes paumes de main juste au-dessus de mes pieds, bien ancrées dans le sol, les doigts ouverts, d'accord ? Ensuite, je monte sur la pointe des pieds. Il faut faire ça au début, il faut monter sur la pointe des pieds, d'accord ? Regardez vers l'avenir, surtout ne regardez pas vos pieds, vous allez basculer. Regardez vers l'avant du tapis. Faites-vous confiance. Acceptez votre corps. Il tombe. Il n'a pas l'habitude, c'est pas grave. Il ne faut pas lui en vouloir. Ensuite, transférez. Regardez. Laissez partir le poids du corps vers l'avant. Vos triceps sont là. Et ensuite, serrez vos abdos. Et là, peut-être que je décolle un pied. Ok ? Ensuite, pourquoi pas l'autre ? Et pourquoi
pourquoi pas peut-être essayer deux. Et quand on tombe, voilà ce qui se passe. Hop, je tombe comme ça. Vous voyez, mais vous ne tombez pas très bas. Allez, essayez une deuxième fois. Prenez le temps. Là, je ne peux pas vous voir, donc je ne peux pas vous donner plus d'infos. Mais si déjà vous partez avec les bonnes fondations, ça devrait aller. Hein. Dos plat, puis genou aisselle, puis pointe de pied. Vérifiez que les mains sont bien devant les pieds, bien écartées. Ensuite, regarde là vers l'avenir, vers l'avant. Et transférez le poids de corps. Voilà. Serrez les abdos pour pas qu'il y ait trop de poids sur les poignets. Tranquillement. Et ensuite, je redescends. Voilà. Et pour la suite, on va se retrouver assis en tailleur. La paume de main épouse la forme de vos genoux et tranquillement, vous allez calmer le rythme cardiaque. Inspirez et soufflez. Toujours avec notre respiration Ujjayi, on va réoxygéner tout le corps. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Voilà. Et respirez tout simplement. Et encore. Ensuite, on va ouvrir les yeux. Et là, on va se laisser tomber sur le tapis. On va prendre une dernière posture. Shavasana. La posture du cadavre. Donc, comme son nom l'indique, c'est une posture où on va rester immobile. Soit les paumes de main sont vers le ciel ou vers la terre, au choix. Les pointes de pied sont généralement orientées vers l'extérieur, les genoux aussi. Et on relâche la nuque. Vous pouvez fermer les yeux. Cette posture, elle est très importante. Hein, souvent, parfois, on ne la fait pas parce qu'on est pressé de repartir dans son activité, dans sa journée. Pourtant, c'est vraiment, si on oublie de la faire, on manque vraiment quelque chose. Pourquoi? Parce qu'avec le flow, on a dégagé de l'énergie. Hein, le corps s'est fatigué, on l'a fatigué. On a aussi fatigué l'esprit, vous ne connaissiez pas le flow, vous étiez concentré. Et là, dans Shavasana, on va complètement relâcher grâce à la pratique physique qu'on a eue avant. Comme le corps est fatigué et que le mental est fatigué, eh bien, on va se relâcher complètement au niveau de l'esprit et du coup, on va profiter de cette pause qu'on n'a malheureusement pas très souvent l'occasion de faire. Voilà, le yoga, c'est vraiment une pratique physique pour ensuite pouvoir méditer ou se relaxer là, avec Shavasana. Donc essayez de rester concentré sur votre respiration ou sur ce qu'on appelle le troisième œil, c'est-à-dire un point qui est situé entre vos deux sourcils. Et si jamais il y a des pensées qui arrivent, voilà, vous les laissez repartir. Sans vous en préoccuper, vous les laissez repartir. Voilà, vous vérifiez que votre dos est relâché, que votre nuque est relâchée. Et vous restez encore quelques secondes dans cette posture. Si jamais vous n'enchaînez pas avec le circuit training de Benoît, vous pouvez tout à fait rester dans un Shavasana qui peut durer 10, 15, 20, 30 minutes si vous avez le temps. Si jamais après vous enchaînez avec le circuit training, du coup, voilà, vous devrez arrêter et repartir dans une autre activité. Mais vous serez bien échauffé. Et tout doucement, vous allez commencer à réveiller vos poignets, à réveiller vos chevilles en faisant des petits cercles dans un sens puis dans l'autre et à incliner la tête d'un côté puis de l'autre. On réveille la zone des cervicales. Voilà. Ensuite, vous allez ramener vos genoux sur la poitrine et vous allez passer dans la posture du fœtus. Vous choisissez un côté et vous vous recroquevillez sur le côté, comme si c'était le matin, avant de sortir du lit, hop, je me recroqueville sur le côté. Et tout en gardant peut-être les yeux fermés, vous reprenez la posture tailleur du début.
Et puis, vous allez incliner la tête vers vous. Donc, le menton est plutôt proche de votre sternum. Voilà. Et juste prendre le temps de vous remercier d'avoir pris le temps pendant une heure de pratiquer, de faire une pause dans votre journée et d'avoir accepté votre corps comme il est. Il y avait des postures qui étaient peut-être faciles pour vous, d'autres qui étaient plus difficiles. Donc maintenant, vous savez aussi un petit peu ce que votre corps doit travailler, quel mouvement il doit faire pour s'améliorer. Ensuite, on va inspirer, redresser le regard face à l'écran ou face au mur, tout en gardant encore les yeux fermés. Et tranquillement, tout doucement, on va ouvrir les paupières et se reconnecter. Voilà. Voilà pour la pratique d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, hein, ça fonctionne plutôt bien, vous laissez soit un message, soit un commentaire. Voilà, je prendrai le temps de vous répondre. Allez, bon courage à ceux qui enchaînent avec le circuit. Très bonne journée à tout le monde. Et on se retrouve lundi, circuit terminé, et mercredi, yoga. Voilà. Allez, namasté. Profitez bien de votre journée. Au revoir.